mình đang đi về làm hàng đây, nhưng mà nó bảo cháu là về cho nó 20 triệu, thì bây giờ mình tính 10 triệu, thì bây giờ mình tính cái 20 triệu của cháu này. Mình đang đi về làm hàng đây, nó bảo là nó vay tiền cho nó mất 8 triệu của nó. Trên chỗ năm 2003 thì nhà em bắt đầu lên lên đây ở, và lúc đấy đi lên đường, đi lên đây nó bé xíu thôi. Thì cái đường bé xíu thế này mình chỉ có thể đi bộ được thôi, chứ không có cái xe nào đi được lên cả. Lúc đấy chỉ có một mình nhà em ở đấy. Thế sau rồi trồng rừng và bảo vệ rừng, không cho người ta chặt phá nữa, và trồng thêm cây cối. Thì bây giờ nó phủ xanh, đất trống rồi núi chọc, như thế là nó phủ màu xanh. Chim chóc mấy các thứ là nó lại dần dần nó quay trở lại. Thế thì thấy cái cuộc sống đấy là rất tốt, nên là bọn em mới quyết định là ở đấy, ở trong rừng. Au Vietnam, à 50 km à l'ouest d'Hanoï, à la fin des années 90, sur les terrains très pentus du bassin versant de Dong Cao, de grandes surfaces ont été déboisées. La terre ensuite a été travaillée et du manioc y a été planté et cultivé. Conséquence du travail de l'homme et de l'intensité des pluies, une très forte érosion du sol s'en est suivie. En 2002, pour des raisons de faible rendement et de manque de main-d'œuvre, la culture annuelle de ces terres a été abandonnée. La nature a alors repris possession des lieux petit à petit. Le bassin versant de Dong Cao, un espace où tous les ruissellements convergent par des ravines vers un cours d'eau qui façonne et draine l'ensemble du paysage. Depuis près de 20 ans, hydrologue, spécialiste de la macrofaune, du carbone dans le sol, de la flore et de ses racines, tous ces chercheurs de l'Orstom, de l'IRD et du SFRI se sont succédés pour collecter des données sur ce site. Je vais donc décharger la mémoire de ce système d'acquisition qui nous permet donc d'avoir la température et d'avoir des valeurs d'humidité du sol de 5 cm jusqu'à ici 1 mètre de profondeur. Et donc ici, au départ, l'objet principal c'était de voir l'impact des cultures paysannes sur les pertes en terre. Donc c'est pour ça qu'on est sur le haut d'un bassin versant avec des dispositifs de mesure hydrologique, qu'on avait un sol qui était très cultivé, qui était appauvri, qui subissait énormément d'érosion dans toute la zone ici. Et aujourd'hui, on l'a parcouru, on voit que c'est couvert, on a moins d'érosion, à part lors des très gros événements. Au total, 3 stations de surveillance situées sous différents couverts végétaux permettent de suivre l'évolution de différents paramètres tels que les effets de l'activité des vers de terre sur l'érosion, mais aussi l'impact des plantes par le rôle de leurs racines sur le prélèvement et l'écoulement de l'eau. And we want to see the impact of cast on the erosion. So for that, we have also a box here, yeah. Where we can collect the soil. Okay. If the soil go out from this square. Okay. So here we have quantified the rain, yeah. This rain gauge. We have other in the catchment also, but here is a special station at the top. D'autres dispositifs de mesure, hydrologiques cette fois, appelés WEAR, permettent de quantifier les volumes d'eau et l'érosion à long terme. Bien qu'aujourd'hui, le sol soit de mieux en mieux protégé par une végétation de plus en plus enracinée, l'érosion du sol continue, mais pour des raisons différentes. We start sampling. We have the automatic sediment sample here, so we want to see the difference of land use and the human being on the impact of soil erosion. It's one of going to survey for the soil conservation. So that's why we still have the long-term survey on this. In the catchment level. What we see is year by year, close to here, we have some special rain even to compare with the last 10 years before. Now the soil rain most concerned on the rain, not really concerned on the land use, because we have nearly the same land use. En milieu naturel, le sol héberge une grande diversité de formes de vie intimement interconnectées qui s'associent pour nourrir et hydrater les végétaux. Ceux-ci stabilisent le sol par leurs racines, l'enrichissent toute leur vie et bien après leur mort.
Ces relations constituent ce que l'on nomme les services écosystémiques. Ici, on a plusieurs dizaines, centaines de mètres de racines. Et le long de toutes ces racines, il y a des échanges entre le sol et la plante et l'atmosphère, absorption d'eau, remise en place de l'eau. Et c'est tout cet équilibre qu'on appelle un service écosystémique, en fait, puisque la plante apporte à l'ensemble et le sol, en même temps qu'il donne des nutriments à la plante, il reçoit en échange un service pour sa stabilité. Pour ce qu'on voit dans la surface du sol aujourd'hui, c'est un indicateur d'une meilleure santé. Le fait d'avoir une stabilité, le fait d'avoir énormément de vers de terre, le fait d'avoir des plantes qui se développent bien par rapport au fait que quand il était cultivé, exploité intensément. Mais ça a un coût, ça veut dire qu'il a fallu le laisser un certain temps sans culture, ou ce qui se développe plus aujourd'hui, ce qui est développé, c'est les systèmes agroforestiers où on essaie en fait de combiner la production tout en profitant de services écosystémiques d'autres arbres, d'autres plantes. Pour quantifier le rôle des racines dans le sol et leur impact sur la microbiologie, des carottages sont effectués sous différents couverts végétaux. Donc en surface, j'utilise des cylindres comme ça. Et après, en profondeur, j'utilise en fait la tarière pour aller chercher le sol. Je vais lisser le cylindre, le dessus, pour être sûr que le volume de sol que je vais garder soit exactement de 250 cm3, c'est-à-dire le volume que je connais d'ici. Le prélèvement d'un volume de sol connu, associé au volume de racines qu'il contient, permettra d'extrapoler à une surface en hectares. Les prélèvements sont ensuite traités et analysés au laboratoire SFRI IRD à Hanoï. So if we have a lot of roots, we can divide into two or three times to scan to make sure that all the roots will not collapse with each other, will not overlap with each other. So I will divide the same row into two times to scan. Un logiciel maison et open source va analyser les images produites par le scanner, puis générer des mesures de surface et de volume racinaire. Ces informations, associées aux autres relevés, vont permettre à Jean-Luc et à Fuong de quantifier l'action des racines sur les échanges d'eau, les interactions avec les micro-organismes et aussi le stockage du carbone dans le sol. Tous étant autant de services rendus par la nature. Suite à tout ce qu'on a pu voir, nos études ici sur les services écosystémiques sont en fait une approche un peu nouvelle où on essaie de tirer profit de l'environnement et de ne pas aller trop à l'encontre des contraintes majeures. Sur forte pente ici, ça paraît un peu aberrant de vouloir cultiver toutes les surfaces. Par contre, y faire paître des animaux, y faire pousser des arbres, venir s'y promener le dimanche, ça paraît cohérent. Et dans les zones plus basses, continuer à faire du riz, profiter d'un apport de l'eau et puis d'un apport un peu de sol par l'érosion, mais beaucoup plus faible, c'est aussi plus efficace. Ce qui est certain, c'est que ça prend du temps. C'est pour ça que des observatoires de longue durée comme celui-ci prennent du temps à monter, sont assez durs à financer, mais ont leur raison d'être dans ce contexte actuel.